Je suis Barbie. Je suis Barbie. Et nous sommes prêtes à commencer. Bienvenue dans l'émission de Barbie et Barbie. Comment allons-nous commencer notre premier épisode, Malibu? Je ne sais pas, Brooklyn. Comment expliquer aux téléspectateurs que chaque semaine, nous animerons notre propre émission? Pour apporter du positif, de l'inspiration et du fun jusque chez vous de la part de deux amis qui partagent le même nom. Il y aura des jeux, des créations et des surprises. Ces explications sont-elles claires? J'espère bien. J'ai tout filmé depuis le début. Oh, désolée, Rafa. Nous avons essayé d'en faire trop toutes seules. C'est d'ailleurs pour ça que c'est génial de collaborer. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec nos amis pour réaliser cette émission. Rafa, le réalisateur hors pair. Nikki, la chef décoratrice. Teresa, l'experte technique. Et Daisy, notre DJ attitré. En parlant de collaboration, passons à notre premier sujet. À quel point connais-tu ta co-animatrice? Oui! Nous allons répondre à des questions l'une et l'autre tout en vous faisant visiter le plateau de Barbie et Barbie. C'est parti! Wouhou! En tant que chef décoratrice de l'émission de Barbie et Barbie, bienvenue dans l'espace mode et beauté! Wow! Wow! Première question sur ta co-animatrice. Quel est son animal de compagnie? Malibu, le nom de ton chien est Taffy. Et Brooklyn, le nom de ton chat est Etta. Bien joué! Oui! Oui! Super! En direct de l'espace musique, c'est moi, Teresa, la technicienne de plateau. Écoutez ça. Oh, oui! Bien joué! Et faites du bruit pour DJ Daisy! Voilà un son enflammé et une nouvelle question pour vous. Les Barbies, quel est l'enca que votre co-animatrice adore? Brooklyn adore les falafels. Un enca délicieux et classique à New York. Génial! C'est une question piège. Je rigole, des cupcakes! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment ça va, le studio à paillettes? Génial! Wouhou! Les Barbies, c'est l'heure de la dernière question. Barbie et Barbie, quel est le matériel de création préféré de votre co-animatrice? Les paillettes! Tu adores la lumière et les reflets que les paillettes apportent à une création artistique. Et toi, tu trouves que la vie est trop courte pour ne pas scintiller? Wouhou! On a tout juste! Génial! Ouais! Personne ne met Barbie ou Barbie dans un coin. Sauf si c'est dans l'espace créatif, l'espace de collaboration. Et j'ai tiré quelques ficelles pour pouvoir collaborer avec des invités spéciaux. Nous sommes enthousiastes. Nous sommes audacieuses. Et surtout, nous sommes le groupe Extra. Eh bien, nous sommes extra impatientes. Notre premier épisode est déjà une super collaboration et ce n'est pas fini. Il nous reste encore une surprise. Oui? Où est Ken? Salut tout le monde! Chelsea et moi sommes là pour partager notre sujet pour l'émission! Voiture de star! Oui! Oui! Génial! C'est pas bon! Bien joué! Ouais! Bravo! Bien joué! Montons à bord! Wouhou! Je dois bien l'avouer, j'étais un peu nerveuse à l'idée de faire notre émission toute seule. Moi aussi je l'étais. Mais il s'avère qu'en collaborant, on n'est jamais seul. Et maintenant, place à la meilleure des collaborations. Dansons tous ensemble! Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Merci de nous avoir rejoints en secret. Vous remarquerez que Nikki n'est pas là. C'est parce que nous voudrions organiser sa fête d'anniversaire surprise ici sur le plateau de l'émission de Barbie et Barbie. C'est vraiment super génial! Chut! Oups. Je veux dire, c'est vraiment super génial! Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais avec votre aide, nous allons pouvoir décorer, préparer des encas, des cadeaux et organiser un spectacle. Autrement dit, organiser la meilleure fête du monde! Peut-être un peu plus à gauche. Non, peut-être un peu plus à droite. En fait, recommencer. Hé,
vous deux, j'adore votre enthousiasme, mais peut-être que nous devrions tous un peu lâcher prise. La meilleure fête du monde, c'est un niveau très élevé. Tu as raison. C'est beaucoup de pression pour essayer d'organiser la meilleure fête du monde. Oui. Mais nous sommes à la hauteur. Pour Nikki, nous avons juste besoin de... plus de paillettes. Qui a demandé plus de paillettes? C'est nous. Pouvez-vous nous aider à faire des cotillons à paillettes? Bien sûr. C'est notre spécialité. Très bien, les filles. Il est temps de mettre nos tenues de groupe. C'est parti. Super. Waouh. Bien joué. Bravo. Cool. Oh, bien joué. Génial. Génial. Waouh, trop mignon. Oui. Génial. Wow. Nous sommes les Color Reveal Paillettes et nous avons apporté toutes les paillettes dont vous aurez besoin pour cette fête. Regardez. Prenez du liquide à bulles pour enfants et ajoutez vos paillettes. Mélangez. Pour la baguette, pliez un fil chenille et donnez-lui la forme que vous voulez. Je vais faire un cœur. Tada! C'est l'heure des bulles. Bien joué! Oui! C'est parti pour la meilleure fête du monde. Hé! Ah! Oh non, ma jambe! Oh non, mon poignet! Oh non! Il va falloir vous emmener chez le pédiatre et à la clinique. Heureusement, ce n'est qu'un bleu, Chelsea. Super! Et tu devras juste porter ce plâtre pendant quelques semaines. S'entraider, c'est super, mais vous devriez toujours être prudente pour ne pas vous faire mal. Je suis contente que vous alliez bien. Désolée d'avoir exagéré comme ça. Tant pis pour la fête de Nikki. Une fête n'est pas censée être la meilleure. C'est censé être amusant. Pour ça, il faut lâcher prise. Suivez-moi. Qu'on soit en coulisses ou sur le plateau. Nous sommes le groupe Extra et nous savons lâcher prise. Oh, tellement mignon. Hé, hey, ça me donne une idée. Vous n'avez pas eu le temps de chercher un cadeau pour Nikki, alors fabriquons-en un. Wouhou! Appliquez de la colle de bricolage sur un vieux sac banane. Ajoutez des perles et des pompons pour lui apporter un peu de glamour. Vraiment beau. Nikki va l'adorer. Et ce n'est pas ce que nous avions prévu. Voilà, vous lâchez prise toutes les deux. Nikki sera là dans 10 minutes. Et nous n'avons pas eu le temps de monter un spectacle et de préparer des encas. Oh. Alors, si vous chantiez une chanson que vous avez apprise cet été à New York. Oh oui, oui. Très bonne idée, Rochelle. Je suis si contente que tu m'aies proposé de venir ici, Ken. J'ai faim. Mais pourquoi fait-il si sombre? Très bonne question à laquelle je peux tout à fait répondre. Attends, pourquoi je chuchote maintenant? Merci beaucoup, les amis. Ça a dû vous demander une organisation rigoureuse. Tu sais quoi? C'est vrai, mais une chose était bien plus importante que les autres. Cette chose, c'est le lâcher-prise. Woo! Catch me hoping, not holding back, no. Why should I drive to fight?